Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des bébés escargots, de comment ils se développent et de comment les maintenir en vie dans de bonnes conditions. On va tout de suite passer à mon premier aquarium. Donc le voilà. Alors là, on a un petit bébé. On a la maman des œufs que je vous montrerai plus tard. Et les deux autres qui sont là en train de manger de la salade. Donc on a aussi celui-là comme aquarium. Voilà. Donc là, on a un bourgogne qui est encore jeune, hein, qui n'est pas encore à l'âge adulte. On a aussi ici deux escargots. Là, il y en a un autre. On en a un petit ici. On en a un là. On en a un ici et un ici. Donc on voit que l'aquarium est vraiment très très grand. Donc c'est là que se sont développés les petits œufs et que les bébés sont nés. Donc je suis changée d'aquarium, donc je vais vous montrer tout de suite. Je les ai donc mis dans un aquarium à part. Parce que j'avais peur que déjà les œufs se fassent écraser. Et qu'après, même quand les bébés soient nés, il y a encore des risques que leur mère ou même d'autres escargots leur montent dessus et les écrasent vu leur petite taille. Et c'est bien plus facile pour moi de m'en occuper du coup, comme ça. Alors, j'ai aussi des œufs. Donc voilà. Donc là, on en a deux petits. Il y en a un au fond, je sais pas si on voit bien. Et en fait, je les ai mis là jusqu'à ce qu'ils éclosent. Et après, je les mettrai avec leurs autres copains, les autres bébés. Alors, donc on va parler de la première étape pour s'occuper des bébés escargots. Donc première étape, je conseille vivement de séparer d'abord les bébés des adultes. Parce qu'il y a toujours un risque, malgré tout, ils sont vraiment très petits. Et ça peut vraiment être dangereux pour eux. Donc deuxième étape, toujours avoir un aquarium très humide. Et vraiment avoir les escargots qui puissent aller dans des coins où se mettre au frais. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais là, on en voit un qui est en train de pondre. Donc celui-ci là. Hop. Et donc là, on va pas le déranger. Mais vraiment, il pompe et il pond. Et si vous avez remarqué, il pond à côté de l'abreuvoir. Où vraiment, ça va être un coin très frais, qui va souvent être humide. Et vraiment, ça va être un endroit idéal pour pondre. Voilà. Troisième étape, lorsque vos bébés escargots vont naître, il va vraiment falloir surveiller leur croissance et leur naissance. Donc là, ils ne sont pas encore nés. Mais vraiment, je surveille tous les jours comment leur développement, s'ils ne sont pas encore sortis ou pas, pour pouvoir les transvaser dans un autre aquarium. Alors, lorsqu'on va se lancer dans un élevage comme moi, un élevage de bébés escargots, où on va vraiment vouloir faire une grande famille d'escargots avec plusieurs individus, je conseille vivement d'avoir trois aquariums. Alors, d'abord, il vous faudra l'aquarium central, comme celui-ci, qui va vraiment accueillir tous les parents, tous les autres individus. Un petit aquarium comme celui-ci, pour pouvoir voir l'évolution, et bien sûr surveiller l'évolution aussi des bébés escargots. Et moi, j'ai une petite boîte en plastique toute simple, comme ça, où j'ai fait bien sûr des trous. Et vous voyez-vous, quand on l'ouvre, vous avez directement les œufs dans un petit pot en transparent en terre, voilà. Donc j'ai vraiment fait ça pour que les œufs soient dans de bonnes conditions et ne soient ni avec les grands, ni avec les autres bébés. Voilà. Alors ensuite, on va parler des enclos. Donc pour un enclos, alors déjà, je conseille plusieurs matériaux. Donc moi, j'ai une branche de sapin que je vais aller changer quand elle est trop abîmée. Là, j'ai une grande écorce où les escargots peuvent vraiment se cacher dedans ou même pour pondre. J'ai un petit tronc d'arbre en bois, je sais pas si on voit là. D'ailleurs, il y a un escargot dessus. J'ai vraiment une grande branche comme ça de bois pour qu'il puisse monter dessus, vraiment faire comme dans la nature. Donc si vous avez, moi j'ai mis de l'ardoise au fond pour faire un côté plus humide où ils y sont bien. D'ailleurs, je mets la salade dessus où, comme vous pouvez le constater, il y a des restes là. Alors aussi, je conseille de mettre des pierres. D'ailleurs là, près des pierres, elle a pendu. Hein, on voit qu'elle est en train là. Une grosse pierre comme ça, c'est mieux parce qu'ils aiment bien s'y percher, s'y accrocher. Donc là, on voit qu'il y en a plusieurs. Après, si vous avez, donc moi j'ai utilisé vraiment une coque comme ça. En fait, c'est une coque de coco. Et avec un trou dedans, vraiment synthétique, que j'ai mis dans l'enclos. Parce que j'avais ça. Parce qu'avant j'ai eu des faces, mais du coup, bah, je l'ai mise. Parce que du coup, ils peuvent vraiment aller se cacher dedans. Attends, ne te barre pas, toi. Hop. Et donc on voit que vraiment là ils sont dans un bel enclos. Donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.